cas, je suis finalement arrivé dans cette maison tard la nuit au travail. Ouais, bon, je sais plus, utilise. Merde, trop tard. Ah oui. Voilà. Voilà. Ah ouais. Ah, mais on fout, moi j'allume tout. Je suis un petit peu pétochard. Ok, alors qu'est-ce qu'on doit faire? Donc je pense en fait qu'on doit visiter la maison surtout. Ok, on peut allumer la télé? On peut pas allumer. Attendez, il y a des marches en bas. J'ai pas trop envie d'y aller, bon on y va. Voilà, attention. Putain. Voilà. Oh, une table de ping-pong! Vas-y, on est tranquille. On peut pas y jouer. Hop. Ouais, y a rien de plus ici. Ouais, en fait, on doit chercher des trucs, je sais pas après quoi. Je pense qu'on... Ah bah. Peut-être qu'on doit trouver un troisième... une troisième petite croix, je sais pas. Donc ouais, on va essayer de trouver ça. Non, je sais pas où on pourrait trouver ça, hein. J'en ai aucune idée. Là, c'est une chambre, voilà. Je sais, voilà, dans les chambres, il peut y avoir des choses un peu bizarres. C'est quoi ça? Ouais, je sais pas, non. Bon, voilà, on va pas traîner trop longtemps quand même, parce que sinon... Putain. Il y avait un bruit. Il y avait un bruit. Ok, donc alors, on the roof, je ne sais plus ce que ça veut dire. Je pense que ça doit être dans une salle. Ah, on the roof, c'est pas le salon. Je sais plus. Oh, en plus, ouais, j'ai oublié d'ouvrir une porte qui était tout en haut. Bon, attendez, j'y retourne. Bon. Qu'est-ce qu'il y a ici? Y a rien. Moi, il te l'a dit, moi, je vais vite fait m'en aller. Hein. C'est... Putain, j'ai l'impression d'entendre des bruits, en fait, j'entends rien du tout en fait. On va aller faire un tour là-bas, là, dans l'autre salle. Voyons voir si on peut aller dehors. Non, on ne peut pas. Oh! Vous avez vu là-bas, il y a quelqu'un? Attendez, je vais éteindre les lumières ici pour voir. Ouais, y a quelqu'un, putain. Et ce qui est con par contre, c'est que... Attends, je vais voir à partir d'ici si on le voit. Ouais, on le voit là. Oh putain! Oh putain! Bah, oh putain! Oh, j'ai des frissons partout. Qu'est-ce qui a été bougé? Oh putain! Oh. Qu'est-ce qui a été bougé, putain? J'en ai marre. What the hell, my danger? Who did that? Qui c'est qui a fait ça? C'est lui là. L'homme au lampadaire. L'homme qui était au lampadaire. En fait, on doit faire quoi de plus là? Au fur et à mesure, il vient, il te fout les boules, c'est tout. Carrément, la télé accrochée à partir du plafond et tout ça. Posée au calme. J'en ai marre.
Vas-y, putain, ouvre-moi! Cache-toi bien là. T'as de la chance que je sois pas à côté de toi. Je n'ai pas peur du tout. Perso, je crois pas aux fantômes, mais si. Ça me le faisait en vrai. Faudrait se demander. Déjà, je serais même pas enfermé chez moi, t'sais. Enfin, si c'est chez moi. Mais il faut le truc pour le gaz, je pense. Par contre, où est-il? Bon, allez, on va faire des recherches plus approfondies. Alors. Hop. Rien là, rien là, rien là. Rien là. Je peux pas aller voir là-bas. Oh putain! Oh! Non. Maman! 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 M'en fous, je vais en haut. Qui c'est qui a balancé la chaise, putain? Qui c'est? Oh putain, je crois qu'il y avait un monstre qui s'est ramené derrière. C'est encore toi, espèce d'enfoiré. Bon, tant pis, je vais dans la chambre. Oh putain! Même la douche! Putain, je vais péter un câble. Je vais péter un câble. Je vais péter un câble. Dans l'autre chambre. C'est où? Ah, c'est ça? Oh putain, merde! Comment on fait? Oh shit, Tiny Town. J'ai pas vu ce qu'il y avait. Ah si, je sais. Il faut que j'aille couper le gaz. H. C'est bon. Voilà. On va aller retourner voir le feu là-haut. Pour voir si tout s'est bien terminé. Ah, mais en fait, ouais, il y avait rien à chercher. En fait, faut juste se balader dans la maison et puis tester notre peur. Oh! What? C'est quoi ça? Oh putain! Oh, j'ai peur. J'en peux plus, j'en peux plus. C'est lui là-bas, putain. Pourquoi il nous fait peur déjà? Je sais même pas, tu sais pourquoi. Bravo, le tableau qui tombe du mur, eh oui. Eh oui, lui aussi là-bas. Et le canapé, bah oui, bah bien sûr. Et les portes qui se détachent, bah oui. Oh putain, mais je crois que c'était une grosse patte, je sais pas quoi, putain. Faut pas faire attention à ça en fait. Le fantôme n'est là que pour nous faire peur, il faut pas penser à ça. Donc là on est à 32, donc en fait je pense que le but c'est d'arriver à 0, mais. De toute façon il va me foutre les boules à. Voilà. On peut aller à la porte ou pas? Faudrait bien s'en aller un jour. Oh putain! Oh my god, I need, j'ai besoin de. C'est quoi ce bruit? Putain, j'ai ouvert la porte comme un bouffon. Elle a fermé toutes les portes! Ok, donc on est obligé d'y aller, je pense. Donc en fait il a fermé. Il a tout fermé en fait. Oh putain non. Il a ouvert la porte en plus. Il a ouvert la porte enfin. Putain, j'ai des prisons. Oh putain, non. Ah, non.
Bon bah c'est la fin. Donc voilà, donc ce jeu était, je pourrais pas dire flippant, mais il nous rend craintif, il nous rend nerveux. Déjà par rapport aux chaises qui volent et tout ça. Ensuite, parce qu'il n'y a aucun bruit du tout, alors que dans les jeux d'horreur d'habitude il y a peut-être des bruits, des musiques ou je sais pas quoi. Donc des fois il apparaît comme ça le gars. À chaque fois on est obligé de rallumer le générateur. Donc sur ce je vais vous dire je vais vous dire ce qu'il voulait dire par rapport à ça. Donc allez, on se retrouve dans maintenant. Donc allez, à tout de suite. John n'a jamais été le même ce jour-là, il n'a jamais vraiment parlé à personne ou même quitté la maison ces derniers temps. John était mon ami. Nous nous connaissons depuis des années, je ne l'ai jamais vu agir de cette façon, je ne sais pas ce qui est arrivé dans sa maison, peut-être qu'il avait raison. Peut-être que quelque chose se passait dans cette maison, quelque chose de démoniaque. John m'a dit, si vous le voyez, cette chose, vous ne serez jamais oublié son visage. Il va vous hanter et vous changer, promets-moi que vous n'irez pas dans cette maison.